Monsieur Atala, ça va bien? Très bien, très bien. Comment ça va? Nous avons aussi Bastet. Donc, effectivement, quand ça a fait des vrais, effectivement, Villao, Villao, en l'état là, sans le monde, nous avons vraiment sinistré. Question que c'est mon a posé, il a dit, mais si c'est mon n'a pas assuré, qui j'ai eu fait pour que ça dédommage? Alors, est-ce que vous avez une précision à ça? Alors, effectivement, c'est un problème qui est très important. Donc, moi, je veux saluer solidarité à Pep Guadeloupe, et notamment Pep Bastet, Pep Rivière des Pères. C'est-à-dire que même les gens qui étaient sinistrés, viennent pas les gens coup de main qui ont même des sinistrés. Ça, c'est très important. Et ni les gens qui ont la ravine Saint-Anne, qui ont vu des abîmes, qui ont vu la montée, tout le monde a vu une force là. Donc, nous sommes peuple solidaire. Malheureusement, c'est là où nous avons un problème que nous sommes solidaires. Il faut nous montrer que nous sommes capables d'être solidaires, même en temps normal. Ça, c'est le premier mythe. Deuxième mythe, effectivement, la voie ministre arrive, nous tenions une réunion qui a passé à l'ensemble des élus, on a posé des questions là, ça. On dit spécifiquement à Bastère, spécifiquement à Rivière des Pères, il y a malheureusement pas mal de gens, il n'y a pas assuré. Qui j'en aura fait ça? Donc, ni le fonds exceptionnel d'urgence qui a permis nous, effectivement, pour ceux qui n'ont pas assuré, mais le fait d'avoir prononcé l'état de catastrophe naturelle, c'est qui un monde qui a assuré, qui peut bénéficier ça? L'état de catastrophe naturelle, nous signer, bah, c'est symboliquement, ça va permettre de vous accélérer les dispositifs. C'est-à-dire que les assureurs, quand ils savent que de toute façon, ils vont rattraper l'argent là, ils vont rembourser, ils n'ont pas hésité pour payer. Mais il faut assurer. Donc c'est dans le cadre du fonds d'urgence que nous allons essayer de porter manœuvre, parce que ni monde qui malheureusement pas assuré, et ça, il faut nous porter manœuvre. Ça, c'est un vrai mythe. Deuxième mythe, le fameux fonds, le FAOU, le fonds d'aide au relogement d'urgence. On dit préfet là, ça, et le ministre là, il dit, moi, vous voyez, circuleur là-bas, ça prévu pour les locataires, ça pas prévu pour les, comment dirais-je, propriétaires. Or, il n'y a pas que les gens, à part parce qu'on est propriétaire, qu'on est riche. Ou parfois, ici à Rivière des Pères, ni moun, c'est papa et yo, maman, ils ont un petit terrain, ils ont construit un petit case, à part parce qu'ils sont propriétaires, ils ont un petit case, ils sont riches. Donc ça, c'est très important parce que rassurons ça. La collectivité peut dépenser et après, propriétaire là qui rembourser. Moi, ça, personnellement, même s'il y a le FARU, le fonds d'aide au relogement d'urgence, propriétaire là, peut rembourser. Moi. Ça fait ça très bien. Donc là aussi, il faut que dans le décret là, ils tiennent compte de ça et des réalités ici à Bastia. Alors, nous avons vrai effectivement que c'est Mouna qui répertoriait pas mal d'habitants en difficulté. Au niveau des dons, qu'est-ce qu'on a fait pour Bayo, Glo, tout ça? Est-ce qu'on peut dire pour qui quantitatif à Glo? Parce que surtout Glo, il y a besoin pour Yobre, parce que Glo n'est pas potable. Qui quantitatif, ce qu'on a peu près par jour? Au jour d'aujourd'hui, nous avons 30 000 bouteilles de l'eau que nous avons distribuées. Rien qu'à Bastia. 30 000 bouteilles, hein, bouteille là, qui a fait un été et demi. Et là, souvent. Ça représente combien de palettes? Alors, à Kebab, au total là. 89 palettes. 89 palettes. Et là, nous, ni QG là, s'ils ont passé, ils ont voulu être solidarité à Mouki. Nous fait. Où la QG là? Rôle des sports de Rivière des Ports. Nous ni de l'eau, nous ni citerne, nous ni manger, nous ni. Nous avons fait des. Dans chaque compartiment, nous avons réparti. Alors là, moi, en somme, informé aussi de médecine de catastrophe aussi, on est en uniforme. Il faut nous faire attention de ne pas comprendre vitesse et précipitation. Parce que si tout le monde l'avait bail, ça est arrivé. C'est que même on l'a rattrapé trois fois en mitin, et malgré là, qui est en bout de là, il va rattraper pour mitin. Donc c'est important de coordonner ça, même si il n'y a pas que monde qui est généreux, tout le monde l'avait bail, parce qu'après, il y a que ça va créer une injustice dans l'injustice. C'est pour ça que nous avons travaillé en coordination avec les associations qu'il a. Nous avons justement aujourd'hui à nous venir avec collectif des organisations en lutte. Comment? Avant, mais oui, c'est un là. Monsieur venait avec le ministre là avant hier, il a mis l'office de la forêt, il a mis la sécurité civile. Il est venu après tout le travail là, j'ai fini. Sécurité civile, parfois, nettoyer deux cases. Alors, c'est combien de radios nous nettoyons les cases à fila. Tout le travail est bien là-bas, c'est jeté là, et nous trouvons un des gens qui nous ont mis. L'État représente, le ministre vient là, le ministre n'a pas quatre rôles qu'on dit l'État à faire mettre là. Là, l'État arrivé là, c'est moins, nous ici nettoyer les cases à nous. À part entreprise Antibou qui vient de Père qui déclave la rue là, mais c'est de Vouton. À part ça, l'État français pas Vouton Med. Par contre, ça tout à fait étonnant que nous parlons les militaires là. Et par contre. Le reste m'a arrivé comme ça. Le reste m'a venu. Alors c'est vrai que dans l'urgence, le temps que le reste m'a mobilisé, que la sécurité civile vivait, c'est vrai que nous déjà portons un paquet de manœuvres, à la fois les solides localement, services techniques à la ville, l'équipe à de Vouton et en d'autres sociétés. C'est nous qui déjà. Dis-yo qu'on s'est mobilisé yo et rester sur place la veille parce que vous savez très bien que là on est là. Oui, mais il y a déjà là la veille, c'est nous qui résidions. D'accord? Et la police municipale qui passait la nuit là pour Monteca en difficulté, c'est nous qui demandons ça, rester sur place parce que le problème, c'est que là on est en urgence, c'est le problème de se déplacer, pour déplacer ça. Et les pompiers, eux, même temps en difficulté, ils arrivent une heure et demie après. Heureusement, nous avons été là. Et nous tenions aussi. Ça ne m'étonne pas d'accord, c'est que le mouvement social dans le pays là, sur la vaccination, il y a tout ça foutu ma grande chouette, mon grand patin ici.
Et la ministre vient. Justement, monsieur, excusez-moi. Justement, des beaucoup de population là qui a parlé comme ça. Parce que nous, moi, c'est François, on ne peut pas forcément très avant. Nous venons mardi à Monsieur Radio Tambou. Mais depuis nous c'est François, et nous avons vrai que la population a des vidéos qui ont circulé, que la population là qui a invectivé, qui a dit comme ça. Il n'y avait pas que les élus qui ont passé comme ça. Vous, en tant que personne, nous connaissons nous, hein, nous connaissons nous, déjà travaillé ensemble pour lutter contre la misère à Sibaste. Qui j'en vous a ressenti ça? Quelle population là qui a senti qu'elle n'ont pas fait suffisamment. Alors, Arabaoli, la presse, excusez-moi, c'est la presse aussi, mais ils aiment bien le scoop. C'est-à-dire, quoi, parce qu'on voit 99 monde, 98 cadres, merci pour ça, on fait là. Et Nien, qui encore, et ça normal, du jour au lendemain, on va arriver au Larose, on va ni télé, on va ni radio, on va ni électricité, on va ni de l'eau, on va ni matelas, ou fatigué ou épuisé. Même monde là, vous voyez là, qui était quand effectivement, qui a dit, non, on ne veut pas voir ça, et tout. Le lendemain, après, bah, notre vidéo, vous voyez. C'est le premier monde qui a dit, bon, ça, monsieur le maire, je reconnais le travail que tu as fait. D'accord. Et là, on voit, nous renvoyer des forces ici, services techniques, contrats civiques et tout, pour venir ici, à crier. À dire comme ça, ni des experts qui arrivent, mais autres, c'est des experts du terrain. Ils ont connaître ces quartiers-là. Qui côté pour nous aller? Nous, ni 22 matins, nous avons libéré la là, nous avons distribué, en crier. En dire comme ça, il n'y a pas que la Ouija Jaurès, même si elle est prioritaire. Et il dit, moi, comme ça, ni deux mouns qui sont isolés pour deux matins. Donc, les mêmes personnes qui, sur le coup, étaient énervées, ça normal. D'accord? Nous-mêmes, le lendemain, sous d'accord, nous avons fait une vidéo avec jeune là, ça, parce qu'on sent un bouquet solide. On connaît très bien. D'accord, son bouquet solide, et lui-même il est excusé. Il a dit pas vous je excuse, vous t'es énervé. Mais le problème c'est que la presse, bien aimé ça, on aime bien le train qui n'arrive pas à l'heure. C'est normal, il faut faire le scoop. C'est pour ça que nous avons fait des lives qui sont interminables et nous pas couper, prendre des petits parties pour faire le buzz. Et nous là pour nous battre la population la lumière. Ou genre, ouais, nous pas faire habiter pour le buzz. C'est pour ça que nous avons demandé où. Parce que nous peut aussi rester assis, le buzz rester. Si ça nous voit qu'à partir, ça fait que partir à son note négatif. Il n'y a pas à part travailler nous, à part de faire partir à son note négatif. C'est de comprendre les gens qui ont ressenti ça aussi, ou sans Guadeloupéen, ou sans être humain, en plus, ou sans soignant. Ou sans, voilà, ou c'est moi qui a soigné. Donc, ça bien que vous faites un éclaircissement pour nous comprendre effectivement, parce qu'on a dû nous monter ces François. En vrai ça, on dit oui, ben c'est compliqué quand même de qui gens et le, vous expliquez-nous version ou vision ou et gens peuple là effectivement à dans de douleur nous même des fois nous comme à nous manger et nous qui pas manger y a aussi ou en moins parce que il y a des fois dans souffrance à yo fierté à yo veut pas mais vous en tant que maire responsable des villes là on y l'esprit tranquille est-ce qu'on peut dire qu'on y l'esprit tranquille qu'ils ont fait ça qui était faux pour te mettre population en sécurité. L'urgence, moi en radio, en formé aussi, on est aussi formation en médecine de catastrophe aussi. Il faut savoir planifier, coordonner et rester zen. D'accord? Et donc, viendra le moment où, ni des moules aussi, ça va rester entraîné, il y aura profiter de faire politique aussi. Mais le temps viendra où on dira les choses. D'accord? Ni des moules, on a toujours, dis-moi comme ça, monsieur le maire, comment ça va? D'accord? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est des bastériens, ils ont occupé de hautes fonctions à Basté, ils ne peuvent jamais crier, moi. D'accord? Et une des mondes, Saint-Anne, les abîmes, la montagne, tout cas, criez-moi pour dire, moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On est là, et c'est normal, il y a une exaspération. On a même mis en place, nous mettons cellule médico-psychologique. Comment elle explique, ça aide. Il y a un monde qui sorti arrivé là, nous côté Maminos, là, il était en France, il est arrivé comme ça, brutalement, ça plus brutal, bail. Ça fondamental que nous travaillons Kazaï en moins de 24 heures, parce que les autres qui étaient sur place, ils voient habiter à la cabine petit à petit, ils ont été adaptés. Là, ils sont entrés. Il sortit à Kazaï, ni 3-4 jours en France, en formation. Il est arrivé là, il est Kazaï complètement envahi, sous Paris-Paris ça. Dans les 24 heures, nous sortis voter deux camions là. En sortie déplaçant en pelle, qui était au canal Le Pelletier pour venir. Voilà. Voilà. Et donc, le canal Le Pelletier, Benna, la pelle là qui est en bas là, on dit il revient une cabine ici à 11h30 pour finir tirer toute la boule là, pour que les pompiers passent. C'est fondamental pour lui, parce que lui, c'est plus brutal pour lui qu'on a tout le monde qui était déjà sur place. En tout cas, merci, M. Talal, de répondre à toutes questions, nous, jusqu'à la fin. Merci, Yopil. Et merci à Radio Tambou aussi, qui était avec nous, Radio Tambou, Radio à Pays, là aussi.